2017 est une année spéciale pour l'ensemble du monde protestant. Et c'est vrai que cette année est spéciale pour de nombreux protestants, parce que cela fera bientôt 500 ans que Martin Luther a affiché ses 95 thèses, acte qui sera à l'origine d'un grand mouvement de réforme au sein du christianisme et qui donnera naissance à de nombreuses églises. Ici et là, des actions sont menées, en France et ailleurs, parce qu'à un moment donné, un homme a su renouveler sa vision et son rapport à la Bible, son rapport à l'Évangile, son rapport à Dieu. Et cela m'a poussé à réfléchir à d'autres mouvements de réforme qui eurent lieu dans l'histoire, et plus particulièrement dans l'histoire du peuple d'Israël. Et le mouvement qui a retenu mon attention est celui qui nous est conté dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 23. Déjà dès le chapitre 22 et ensuite au chapitre 23. Là, il nous est parlé d'un mouvement de réforme qui a été initié par un homme, par un roi, qui a accédé au trône alors qu'il n'avait que 8 ans. Alors, 8 ans, alors Lisa, qui vient de nous lire le texte de la Bible. Tu veux me rendre un service, Lisa? Allez, viens avec moi. Et mets-toi sur les escaliers pendant quelques secondes. Reste debout, monte les escaliers juste là, sur le tapis. Qu'on puisse bien te voir. Tu as quel âge, Lisa? Elle a dit qu'elle a 8 ans, Lisa. Vous imaginez un roi qui a le même âge que Lisa. Il n'était pas plus grand que toi, le roi d'Israël. Merci, Lisa, tu peux retourner à ta place. Pas plus grand que Lisa. Et à 8 ans, il était déjà investi d'une autorité importante puisqu'il a été intronisé en tant que roi d'Israël. Ce roi devra gérer un héritage impressionnant. Et je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi quelques passages tirés du deuxième livre des Rois. Mais cette fois-ci, nous lirons au chapitre 21 pour comprendre l'environnement au sein duquel le roi Josias a grandi. Son grand-père Manassé, roi d'Israël, a mené un certain nombre d'actions. Nous lisons donc dans 2 Rois au chapitre 21, au verset 3. On nous dit que Manassé a rétabli les hauts lieux. Les hauts lieux, c'était des lieux surélevés, naturellement ou artificiellement, où avaient lieu des sacrifices en l'honneur des dieux païens. On nous dit qu'il va élever des autels à Baal, une idole à Astarté, et qu'il va se prosterner devant toute l'armée des cieux. Autrement dit, l'adoration des étoiles, de la lune, du soleil, avec l'astrologie qui va prendre une dimension de plus en plus importante, à partir donc de ce qui se vivait à Babylone, non loin de là. Et on nous dit au verset 5 qu'il va bâtir des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Alors vous imaginez l'église de Neuilly, où on va commencer à mettre des autels, des dieux païens, on va commencer à venir dans ce lieu pour pouvoir offrir des sacrifices en l'honneur des dieux païens, dans l'enceinte même du temple de Jérusalem qu'avait bâti Salomon quelques centaines d'années plus tôt. On lit au verset 6. Il fit passer son fils par le feu. Manassé va même pratiquer des sacrifices humains. Et non seulement des étrangers y seront sacrifiés, mais il ira tellement loin qu'il ne va pas
hésité à sacrifier et à égorger son propre fils. Nous lisons au verset 6, il observait les nuages, les serpents pour entrer des pronostics, et il va établir des gens qui évoquaient les esprits et prédisaient l'avenir. Il va remplacer les prêtres et compléter les prêtres de Baal, d'Astarté, de Moloch et des autres par une série de sorciers, de magiciens. Ils vont pratiquer la magie noire. Généralement, lorsqu'on parle de sacrifice humain, on parle de magie noire, de culte à Lucifer, de culte au diable. Et ceci même, à Jérusalem, en dehors de Jérusalem, et dans le temple même que Salomon avait dédié à l'Éternel. On s'imagine mal ou peu l'état de dégâtant spirituel qui avait cours sous le règne du grand-père de Josias, Manassé. À tel point que l'auteur nous dit au verset 9, « Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal encore davantage que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. » Israël était tombé encore plus bas que les nations cananéennes que l'Éternel avait chassées devant eux. Et lisons encore le verset 16. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. Le coupable prospérait et l'innocent était mis à mort. Et cet environnement-là était celui de Josias, le tout jeune roi dont le père Amon n'avait régné que 2 ans parce qu'il avait été assassiné. Alors, on peut dire qu'il a pris la relève juste après son grand-père Manassé en tant que roi d'Israël. Pour une raison que la Bible ne nous donne pas, il nous est dit que Josias va vouloir mener une action en faveur du temple. Un élément déclencheur. Il nous est dit dans 2 Rois au chapitre 22, au chapitre 22, verset 3, la 18e année du roi Josias, donc 10 ans après avoir accédé au trône, il envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan le secrétaire, fils d'Astalia, fils de Meshulam, et lui dit, « Monte vers Ikija, le grand sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Vous imaginez qu'il y avait une équipe préposée à l'entretien et à la restauration du temple. Mais l'argent qui était amassé, vous imaginez bien, finissait dans les poches des prêtres. Et cet argent n'était pas utilisé pour l'objet pour lequel ces offrandes avaient été accordées. Et le temple tombait en décrépitude, faute d'argent pour pouvoir le restaurer. Et là, Josias va prendre une décision et faire un acte courageux. Il va oser demander à ce que les prêtres qui se servaient largement dans l'argent qui était apporté à l'Éternel puissent accepter de remettre l'argent à ceux qui devaient le recevoir pour effectuer les travaux d'entretien nécessaires. Cette volonté de pouvoir rétablir une certaine forme de justice quant à la destination des offrandes qui étaient apportées dans le temple. Un élément qui va déclencher beaucoup de choses chez Josias et pour l'histoire du peuple d'Israël durant plusieurs années. Il y a toujours, en quelque part, un élément qui va déclencher notre désir d'aller plus loin avec Dieu. Et c'est vrai qu'il y en a qui, parfois, viennent à l'église une fois par curiosité, pour un concert, pour un événement particulier, qui tombent par hasard sur une affiche,
sur une publicité, une émission à la télévision, ou qui aujourd'hui choisissent de regarder une émission sur Internet, ou le culte de Neuilly en direct sur Internet, on peut saluer les internautes, et qui, à partir de cet élément, eh bien, ces personnes vont se retrouver à être interpellées. Et l'élément déclencheur ici, c'est que pour avoir voulu rétablir une certaine forme de justice liée à l'entretien du temple, il nous est dit que ceux qui vont commencer à s'occuper et à entretenir le temple vont y découvrir la loi, des manuscrits, des vieux papyrus contenant les écrits des prophètes. Nous lisons dans 2 Rois, au chapitre 5, « On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel. » Et au verset 8, « Alors, Hilkija, le grand sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Ça, c'est impressionnant. Le grand sacrificateur qui est chargé d'enseigner le peuple ne savait même pas où se trouvait la loi, la Bible, les écrits des prophètes. C'est un livre qui avait été complètement abandonné parce qu'en Israël, à l'époque, les cultes qui étaient rendus l'étaient non pas à Dieu, mais aux idoles, aux Baal et aux Astartés. Et les prêtres qui avaient pignon sur rue et qui exerçaient, c'était les magiciens, les sorciers, ceux qui évoquaient les esprits et qui officiaient pour les sacrifices d'animaux, sacrifices humains, en l'honneur de ces divinités païennes. Un livre complètement abandonné. Le premier temps de l'action de la réforme, et on verra 7 étapes, c'est cet élément déclencheur qui va faire qu'on est, à un moment donné, confronté à la parole de Dieu. Mais cette parole qui était mise de côté a été lue d'abord par le sacrificateur, puis au roi lui-même. Nous lisons donc, toujours dans 2 Rois, toujours dans le chapitre 22, au verset 11. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Ça, c'est surprenant. La réforme commence toujours par la lecture de la parole de Dieu. La Bible est traduite maintenant en partie dans plus de 2500 langues. Il y a près de 1200 traductions du Nouveau Testament. 500 traductions de la Bible entière. C'est le livre le plus vendu, le plus édité, le plus traduit. Et pourtant, même parmi nous, même parmi ceux qui croient, qui s'impliquent, qui pratiquent, il n'est pas évident de se confronter quotidiennement et régulièrement à la parole de Dieu. Toute réforme commence par la lecture de la parole de Dieu. Et si vous regardez la réforme du mouvement qui a donné naissance au protestantisme, cela a commencé également par une étude, par une lecture, par un approfondissement, par une réflexion dans un esprit de prière de la parole. Et aujourd'hui, parler de la réforme, c'est bien, mais cela n'a aucun sens si cela ne nous implique pas, ne nous invite pas, comme l'ont fait les réformateurs, comme l'ont fait les pionniers, comme l'ont fait les apôtres, comme l'a fait le roi Josias. Un approfondissement, une méditation, une étude de la parole de Dieu. Nous pouvons lire dans Hébreux au chapitre 4 et au verset 12. Hébreux au chapitre 4 et au verset 12. «
Je lis « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » La parole de Dieu, décrite comme étant vivante et efficace. Si nous prenons la décision de nous confronter à la parole de Dieu, nous allons nous confronter non seulement à un livre, non seulement à un texte, mais plus encore à un message. Et au-delà du message, à l'auteur même du message. Il nous a dit que Josias a été touché, bouleversé. Il en a pleuré. Avons-nous déjà pleuré en lisant la parole de Dieu? Celui qui veut passer du temps dans le texte biblique et qui veut rechercher de tout son cœur Dieu, eh bien, il ne peut sortir et ressortir de ce temps de lecture étant le même, parce qu'il aurait été touché, il aurait été bouleversé parce qu'il aura lu. Et d'ailleurs, si nous lisons dans le livre des Rois, on va voir que ça va faire un tel bouleversement chez lui qu'il va l'exprimer. Et je lis au chapitre 22 et au verset 19, la dernière partie. Tu t'es humilié devant l'Éternel, tu as déchiré tes vêtements, tu as pleuré devant moi. Telle a été l'attitude de Josias, qui nous rappelle ce que Jacques a écrit au chapitre 4 et à partir du verset 6. Jacques, au chapitre 4 et au verset 6 et suivant. Jacques dit, c'est pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos cœurs, vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et c'est lui qui vous élèvera. » Je crois que ça correspond très bien à l'expérience qu'a vécu Josias. Touché à la lecture de la parole de Dieu, il en a été bouleversé. Il en a pleuré. Et il s'est rendu compte de l'état dans lequel était son peuple. Cela peut nous paraître une évidence aujourd'hui. Mais imaginez-vous qu'avant la lecture de ce texte, pour Josias, il n'y avait pas de mal à voir tous les jours des hommes invoquer le diable dans l'église, sacrifier leurs enfants aux divinités païennes, offrir des sacrifices. C'était l'habitude, c'était la pratique habituelle. Et pour lui, c'est quelque chose de complètement naturel. Et la question que je me pose est la suivante. Comment le peuple de Dieu en est-il arrivé à trouver naturel de pratiquer des choses qui nous paraissent aussi horribles? Vous dites, c'est pas possible. Nous avons eu les prophètes. Il y a eu donc des rois qui ont été de grands rois. Salomon a été un homme intelligent et sage, du moins dans la première partie de son règne. Dieu a constamment envoyé des prophètes. Comment le peuple d'Israël en est arrivé au sacrifice humain sans même se rendre compte que cette manière de vivre était contraire à la volonté de Dieu? Et on peut se croire à l'abri. On peut dériver à titre personnel. Et on peut dériver en tant qu'Église.
au point de même plus se rendre compte de ce qui est mal et de ce qui est bien. Ne plus pouvoir faire la différence entre les deux. Et cela nous rend humbles. Parce que parfois, on peut s'asseoir sur ses connaissances de la parole de Dieu. Je connais la Bible, je connais les textes bibliques. On peut connaître beaucoup de choses. Et pourtant, petit à petit, une église locale ou une institution ou une personne en tant que telle peut dériver tellement progressivement qu'on ne s'en rend même pas compte à quel point on s'éloigne de Dieu. Et on peut être tellement loin de Dieu qu'on peut en arriver à ne plus distinguer notre gauche de notre droite, la vérité de l'erreur, le vrai du faux. Telle était la situation du peuple d'Israël. Il ne distinguait même plus le vrai du faux. Jusqu'à ce que le roi soit confronté à la parole de Dieu, à la lecture de la Bible. Si nous cessons de la lire et de l'étudier, nous ne nous rendrons même pas compte à quel moment on aura, sans même s'en rendre compte, transformé la vérité en erreur. Et l'erreur nous paraîtra vérité. Et nous y croirons dur comme fer, convaincus en toute bonne conscience d'être dans le droit chemin, parce que nous serons éloignés de la parole de Dieu. Toute réforme commence par une lecture et une méditation de la parole de Dieu. Et Josias ne va pas s'arrêter là. Il nous a dit, quatrième étape au verset 13, le roi dira, « Allez, consultez l'Éternel pour moi et pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. » Car grande est la colère de l'Éternel. Il a pris conscience que les choses, que plus rien ne va en Israël. Il a pris conscience que la situation est grave. Et son désir, c'est d'aller parler à Dieu, d'aller consulter l'Éternel. On trouve là l'autre élément nécessaire à toute réforme, la prière. Passer du temps avec Dieu, passer du temps dans cette communication, passer du temps dans une relation profonde avec Dieu. Si on ne lui parle pas, si on ne consulte pas Dieu, si on ne dialogue pas avec lui, il n'y a pas de réforme possible. Et Josias aura à cœur d'aller rechercher quelle est la volonté de Dieu, de savoir ce qu'il en est. Il y a un élément déclencheur, il y a la lecture de la parole de Dieu, une attitude de repentance et un désir de dialoguer, de rétablir le contact, de renouer les liens avec Dieu lui-même. Et Dieu a tellement vu l'attitude de Josias que Dieu lui fera dire, « Écoute Josias, ton cœur a été touché. » Je lis au verset 19. « Tu t'es humilié, tu as déchiré tes vêtements, tu as pleuré. » Et moi aussi, dit l'Éternel, j'ai entendu. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères et tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre. Et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Alors là, Josias aurait dû être content. Il aurait dû être satisfait. Tout va bien. J'ai lu, j'ai été touché, j'ai compris, je me suis repenti. J'ai prié et Dieu m'a dit, je t'ai entendu, je t'ai exaucé, toutes ces choses n'arriveront pas de ton vivant. Donc, il aurait pu reprendre le cours de sa vie normalement. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Puisque Dieu lui a donné l'assurance que de son vivant, aucun malheur n'arrivera en Israël. Vous vous souvenez de son ancêtre ? Qui était malade, qui avait prié, Dieu lui avait accordé des années supplémentaires. Et lorsqu'on lui avait parlé des malheurs sur Israël, il avait dit, « Oh, c'est une bonne nouvelle, les malheurs n'arriveront pas de mon vivant. » Et Josias lui aurait pu dire pareil, « C'est une bonne nouvelle, tout va bien,
Les malheurs n'arriveront pas de mon vivant. Mais Josias ne s'inquiétait pas simplement pour lui. Il s'inquiétait pour la nation tout entière. Une réforme n'est pas égoïste. Luther aurait pu rester dans son petit coin. Moi, je sais que je suis sauvé par la grâce, c'est très bien comme cela. Tant pis pour les autres s'ils n'ont pas compris cela, mais moi, en tout cas, je sais que Dieu m'a accepté, que Dieu m'a pardonné, et que par les mérites du sang de Jésus-Christ, par ce salut que j'accepte par la foi, je suis sauvé. Il a eu le besoin de partager avec l'ensemble de la chrétienté sa conviction profonde de ce que Dieu nous sauve par la grâce. Josias ne s'est pas contenté de savoir qu'à titre personnel, il serait épargné. Il a eu le désir le plus profond d'amener l'ensemble du peuple d'Israël à vivre cette réforme qu'il avait initiée dans sa propre vie. Celui qui est profondément touché et qui veut vivre une réforme ne peut la vivre de manière égoïste. On doit avoir envie d'avoir une influence positive sur notre conjoint, notre famille, nos amis, nos collègues. Et si nous avons été touchés par la grâce de Dieu, on a aussi envie que ceux qui nous entourent, que ceux que nous côtoyons, puissent eux aussi vivre pleinement cette grâce que Dieu veut déverser. Une véritable réforme ne saurait être égoïste. Et Josias va donc rassembler les principaux responsables du peuple. Au chapitre 23, on nous dit comment il va faire assembler les anciens de Juda, les anciens de Jérusalem, pour lire devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance. Et là, on nous dit au verset 3 du chapitre 23, « Il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes, ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans le livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. » Il y a là maintenant un engagement. Ils vont prendre position. Ils vont faire alliance. Et ils vont décider de dire, dorénavant, nous voulons prendre le Dieu créateur comme notre Dieu. Il y a un moment donné, dans tout mouvement de réforme, on doit prendre position. Ce n'est pas une simple théorie intellectuelle. Ce n'est pas une simple conception des choses. Ce n'est pas du virtuel. À un moment donné de ma vie, que nous soyons jeunes, adultes, à un moment donné, on doit prendre position. Où en suis-je par rapport à ce que j'ai compris? On peut fuir, on peut avoir compris et puis passer à autre chose. Et le monde nous offre suffisamment d'occasions pour passer à autre chose. Ah oui, on a entendu quelque chose à l'église, ça nous a touché, c'est quelque chose de bien. Mais une fois qu'on a quitté l'église, qu'on est rentré chez toi le samedi soir, qu'on reprend le rythme de la vie, on est passé à autre chose. Et c'est souvent comme cela. On est touché juste quelques secondes, quelques minutes. Et on s'empresse de passer à autre chose dès que le dimanche a commencé pour pouvoir continuer les activités habituelles au travail et, le travail et ailleurs. Josias va faire alliance. Il va amener l'ensemble du peuple à se positionner. Il a résolu de dire, dorénavant, je veux faire de Dieu mon Dieu. Je veux faire de lui la priorité dans ma vie, la priorité dans mon existence. Étape suivante, la sixième et avant-dernière étape. Alors là, c'est tout le chapitre 23. On va lire au verset 4. Il va commencer à mettre en œuvre les conséquences de cette réforme. Il va sortir du temple tout ce qui avait été mis pour Baal, pour Astarté, pour le soleil, les étoiles, l'armée du ciel. Il va chasser les prêtres, chasser ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune et aux étoiles. Au verset 7, il va abattre la maison des prostituées, les prostituées qui étaient donc liées au service du temple, la prostitution sacrée. Il va donc
chasser les femmes qui tissaient des tentes pour Astarté, au verset 8. Il va renverser tous les hauts lieux on sacrifiait aux idoles. Au verset 10, 11 et 12, on nous dit qu'il va détruire le lieu où on faisait des sacrifices humains en l'honneur de Moloch. Il va même faire disparaître de l'entrée de la maison des chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, brûler au feu les chars du soleil, démolir les autels sous le toit de la chambre haute d'Akaz. Il va, au verset 13, souiller les hauts lieux en face de Jérusalem. Et lisez un détail intéressant, au verset 13. Les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sous la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté l'abomination des Sidoniens. Vous imaginez? Salomon lui-même avait déjà commencé la déchéance d'Israël et avait bâti des hauts lieux, des idoles en l'honneur d'Astarté. Et roi après roi, on avait ajouté des hauts lieux, des idoles, des temples pour la divinité païenne. Et quand on arrive au roi Josias, mais il n'y a plus que ça à Jérusalem et dans tout Israël, dans tout Juda. Et malgré les quelques réformes qu'il y avait eu avant, ce qu'avait bâti Salomon existait encore. Et c'est avec Josias que cette statue qui était vieille de plusieurs centaines d'années va être détruite. On nous dit au verset 19 qu'il va faire disparaître toutes les maisons des hauts lieux. La réforme implique une action. On ne peut pas dire j'ai vécu quelque chose de fort et que cela ne change rien dans ma vie au quotidien. Si je vis une réforme, il y a nécessairement des changements dans mon comportement, dans mes actions, dans mes priorités. Et la réforme n'est pas simplement une notion, une idée, quelque chose que je vais intellectualiser, que je vais concevoir dans mon esprit, dans mes pensées, mais cela va se matérialiser par des actions concrètes qui sont une évidence que Dieu est entré dans ma vie. Je me résume. Il y a un élément déclencheur. Et tous, nous avons un moment ou un autre, un élément déclencheur. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Cet élément va nous amener à la parole de Dieu. Toute réforme passe par la lecture de la parole de Dieu. Troisièmement, cela me touche, transformant mes rires en deuil, s'humiliant devant l'Éternel, ce désir de rechercher Dieu. Quatrièmement, la prière. Celui qui a vécu, qui a été touché par l'Esprit de Dieu, voudra parler, rentrer en contact avec Dieu, cette communion avec Dieu. Cinquièmement, cette réforme, eh bien, elle va m'amener à m'engager, à faire alliance avec Dieu. Et non pas simplement à titre individuel, mais je vais vouloir la partager. Aucune réforme ne peut être possible de manière égoïste. On veut la partager. S'engageant, s'impliquant. Sixièmement, eh bien, cette réforme, elle a nécessairement des conséquences dans ma vie. Et les choses qui doivent être retirées, le seront. Les choses qui doivent être enlevées, le seront. Parce qu'on a pris un engagement avec Dieu. Et septièmement, dernière étape, nous lisons toujours dans le deuxième livre des Rois, au verset 23, au chapitre 23, pardon, verset 21, le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient en Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Et là, la Pâque va prendre tout son sens. On ne fêtait même plus la Pâque depuis très longtemps. Il n'y avait que les prêtres des divinités païennes qui étaient en exercice. Et là, il va rétablir le culte au véritable Dieu. Il va rétablir dans sa vie une relation conforme,
à ce que la parole de Dieu décrit. Et ça va faire sens dans sa vie. L'histoire de la réforme, l'histoire des réformes, l'histoire de cette réforme menée par le roi Josias, eh bien, est à l'image des réformes que Dieu voudrait nous voir vivre dans nos propres vies. C'est assez particulier parce que habituellement, on s'imagine que les réformes doivent venir des hommes d'expérience, des prophètes de l'Éternel. Et c'est vrai, souvent, Dieu a envoyé des prophètes. Et là, la réforme va commencer, non pas par un prophète, non pas par un prêtre, non pas par le souverain sacrificateur, non pas par un homme censé connaître l'Évangile. Il viendra par un roi. Mieux encore, par un enfant. Roi à l'âge de 8 ans. Il mènera cette réforme à l'âge de 18 ans. Cela veut dire que l'on soit enfant, jeune, adulte, vieillard, Dieu peut nous utiliser pour mener une réforme. Si nous sommes disposés à lui permettre d'agir dans nos vies, cette réforme commence par la parole de Dieu. Elle se poursuit par la prière, une remise en question de soi-même, un engagement personnel, un partage avec ceux qui nous entourent pour pouvoir retirer de notre vie ce qui mérite de l'être et y introduire Dieu et une vie spirituelle entièrement tournée vers elle. Alors qu'on parlera beaucoup de réformes en cette année 2017, puissions-nous avoir le désir ardent de retourner à ce qui est à l'origine de la réforme, la parole de Dieu, afin de permettre à celle-ci de nous bouleverser, de nous changer et de faire de chacun d'entre nous des réformateurs, non pas simplement pour nous, mais pour nous et pour tous ceux qui nous entourent. Amen.